suis d'abord premièrement abasourdi, hein, si vous voulez. J'ai appris la nouvelle hier soir en rentrant d'un congrès des présidents de district et je veux dire que la nouvelle m'a assis, hein, quand j'ai appris cette agression en nouvelle avec arme. Donc, si vous voulez, la première chose, c'est j'ai été abasourdi. Après, je suis et en colère et inquiet par la montée de cette violence et le degré de violence employé sur un stade Montluçonnais, entre une agression il y a 3 semaines maintenant, donc par un spectateur sur un terrain d'un club Montluçonnais, plus un spectateur à nouveau sur un autre terrain d'un club Montluçonnais, même si ce n'est pas dans le même championnat, ça reste quand même sur le district de Lille et sur la région montluçonnaise. Donc je suis très 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 inquiet par cette montée de violence. On pensait que le district de l'Allier était, et on en est persuadé, est un district rural, hein, pas avec des grosses agglomérations style Lyon, Saint-Etienne ou Grenoble, hein, donc on se pensait un petit peu à l'abri de tout ça, du fait de sa ruralité, et malheureusement, ben, on s'aperçoit que ben, cette violence arrive même dans des districts ruraux comme le nôtre, et je vous dis, je suis très inquiet par cette montée de violence, parce que on a pris un degré de plus, ce n'est plus une agression physique, je veux dire, avec des poings ou des pieds, mais là, on est sur une agression avec armes, donc c'est un degré supplémentaire.